KXTC Podcast. Le samedi 10 juillet 2021, quai de la Marine, à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, aura lieu la manifestation appelée « La virée latine », organisée par la Société nautique de la Petite Mer. Nous avons demandé à Patrice Lurienne des renseignements complémentaires sur cette manifestation. La SNPM, Société nautique de la Petite Mer, dont le club se trouve aux Sablettes, organise avec le concours de la mairie de la Seyne et ses partenaires un rassemblement de bateaux de tradition. Cette manifestation s'appelle la virée latine. Elle se déroulera au port de la Seyne, sur mer, quai de la Marine, le samedi 10 juillet de 9h à 23h. Nous attendons des bateaux venus des ports environnants, Sanary, Bandol, Saint-Mandrier et ceux bien sûr de la rade de Toulon. Les inscriptions ont été envoyées à tous les clubs nautiques qui devraient être intéressés. Les particuliers peuvent venir le mercredi et le samedi matin s'inscrire. Les inscriptions devront nous être retournées avant le 6 juillet 2021, 12h. Venez nombreux participer à notre premier rassemblement. Le programme est le suivant. Arrivée des bateaux le vendredi après-midi, pour ceux qui veulent. Si la météo, par malheur, n'étant pas favorable à ce lundi, nous reporterons cette journée au dimanche. Pour les mêmes raisons, les bateaux pourront rester à quai en attendant un créneau plus favorable pour appareiller plus tard. Le programme de la journée. 9h-10h, arrivée des bateaux. Dès l'arrivée des bateaux, et ce jusqu'à 11h30, embarquement immédiat pour ceux qui désirent faire une balade en mer. 11h30, inauguration officielle de la manifestation. 12h30-14h, pour les personnes intéressées sur place, vous trouverez un stand avec des poissons grillés, des frites et des sauces au choix. Comme il fera très beau, un stand rafraîchissement, bien sûr, sera également à votre disposition. Pour flâner, vous pourrez faire les emplettes aux étals de nos exposants. Après un bon café consommé au stand rafraîchissement, les activités de l'après-midi pourront débuter. 14h, départ de la virée latine. Pour tous les bateaux, des embarquements de passagers sont possibles avec l'accord des patrons d'embarcation. Une vedette de sécurité suivra l'armada. Pour le spectacle, les bateaux resteront groupés tout au long du parcours d'environ 2 heures, suivant bien sûr les humeurs de notre ami Éole. Vers 16h45-17h, retour à quai des bateaux. Démonstration de flamenco par une école de danse. 17h, remise des prix aux participants. 17h30, apéritif pour les équipages officiels et organisateurs. Repas sur réservation paella, place limitée, attention. Soirée dansante jusqu'à 23h, en fonction bien sûr des événements actuels. Les bateaux le désirant pourront rester à quai jusqu'au lendemain. Venez nombreux admirer ce magnifique spectacle de voiliers anciens sous voile entretenus avec soin par leurs propriétaires. J'en profite pour remercier tous les bénévoles et les élus qui nous ont permis de réaliser cette manifestation. KXTC Podcast.